for this. RDW, la web radio de Saint-Eugène. RDW, la web radio de Saint-Eugène. Web radio de Saint-Eugène. Site Saint-Eugène, RN 6113 11150 Braves. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Bonjour, on est sur la web radio de RDW. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Kaizen et j'ai 13 ans. Je suis le représentateur de la web radio. Je vais avoir le plaisir d'assister tout le long de la web radio. En direct, là, il n'y a pas Vanessa, mais il y a Luc Fuentes. Et Luc Fuentes, il est quoi ? Ici. Il est psychologue. Merci monsieur, bonjour RDW, c'est la radio du web, c'est la web radio de Saint-Eugène réalisée pour et avec les jeunes accueillis à l'ITEP à Saint-Eugène. Notre émission est diffusée grâce à notre hébergeur Vibré Rugby. Vous trouvez bien sûr toutes ces applications téléchargeables partout. Vibré Rugby, les émissions, c'est le vendredi de 10h à 10h30 en direct live. Pour nous réécouter, qu'est-ce qu'on fait Kaizen pour nous réécouter? Facile, tu le sais. On va sur YouTube, oui. On tape ITEP Saint-Eugène. Oui. Et toutes les émissions. Toutes les émissions, ils y sont. Voilà, c'est exactement ça. On souhaite bien sûr la bienvenue à tous nos auditeurs. Comment écouter en direct l'émission? Ben, c'est facile. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous téléchargez l'application Vibré Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Vous sélectionnez direct, puis Carcassonne, et vous appuyez sur Play. Et puis, comme ça, vous pouvez écouter nos émissions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est gratuit. Et de mettre plein de pouces bleus si vous trouvez que le travail que l'on effectue avec les jeunes porte ses fruits. Kaizen, c'est quel numéro d'émission aujourd'hui? C'est la 12e. 12e émission de la... Sixième saison, exactement. Et quel jour on est aujourd'hui? On est vendredi. Oui. 27. Exact. 2023. Exact, le 27 janvier 2023. Et on fête qui aujourd'hui? Les... La Sainte... Angèle. Les Angèles. Bonne fête à elle. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On passe au programme. Au pas encore, monsieur. Au programme de l'émission. Et là, en principe, on dit... Jean. Gueule. Jingle, c'est parti. RDW, la web radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150, Bram. RDW en partenariat avec inforugby.com. Voilà Kaizen, comme d'habitude, je te demande qui c'est qui est en studio. On est que tous les deux, Luc. Ah mais oui, on est que tous les deux, c'est pas possible, c'est une émission extraordinaire. Pourquoi on est que tous les deux? Parce que Vanessa est prise par une réunion, on l'excuse, elle est excusée, bien sûr. Et puis, après, notre invité qui devait être là... est parti, il n'est pas là. Il a pas pu rester ici avec nous, donc on va faire cette émission un petit peu tous les deux, mais grâce à la technologie, on a pu... Qu'est-ce qu'on a fait lundi? Ben, on a pu l'enregistrer. Exactement, on a enregistré. Pourquoi on vous parle de ça? Parce qu'au programme de cette émission, vous allez entendre un jeune de Saint-Eugène, Lucas, qui s'essaye au rap. C'est un projet qu'il développe depuis plusieurs mois et il va bien sûr nous en parler. On avait le projet qu'il soit là. Hélas, il ne peut pas être parmi nous. Tant pis. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Ben, on va vous rappeler d'abord le thème de l'expo éphémère du moment. Il y aura aussi les actus faits par l'UE, la météo et le sport. Enfin, bon, on ne jouera pas au ce qu'il a dit parce que vous verrez, on a plusieurs chansons de Lucas à vous présenter et le temps va nous être compté. Allez, très beau programme, c'est parti pour l'émission. On éteint les micros. RDW, la radio de Saint-Eugène. ITEP Saint-Eugène, RN 6113, 11150 Bram.
RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, après cette bande jingle, effectivement, Kaizen me demandait si c'était certains jeunes encore de Saint-Eugène. Oui. On entend effectivement Théo qui a fait partie de la web radio pendant longtemps. Et après, il y a eu pas mal de jeunes qui aujourd'hui ne sont plus trop là parce qu'ils ont bien grandi et qu'ils sont allés voir un petit peu ailleurs, et notamment dans les lycées et dans les projets pré-professionnels. Voilà. L'expo éphémère, le thème, c'est ce mois-ci jusqu'au mois de fin février, ce sera sur Dubaï. On rappelle le principe dans notre studio. Nous vous présentons une expo qui va rester affichée 1 à 2 mois. Tout le monde peut venir la voir, petit comme grand, éducateur comme jeunes qui vivent à Saint-Eugène, la journée comme la semaine. Vous pouvez créer votre propre expo éphémère. Ça te dirait pas, toi, de faire un jour une expo éphémère sur un thème que tu aimerais? Qu'est-ce que tu aimes, par exemple? Parce que je sais que tu fais du rugby, par exemple. On pourrait faire une expo éphémère sur le rugby, expliquer les règles et tout ça. On essaiera de le prévoir, Kaizen, t'es d'accord? Allez, on va essayer de se faire ça, vous voyez. Hop, peut-être qu'on a trouvé la nouvelle expo éphémère pour après le mois de février. Il suffit juste de nous faire savoir quel est le programme de ce que vous voulez mettre. Là, aujourd'hui, c'est Dubaï et ses buildings, avec de magnifiques photos à venir à voir dans le studio de RDW. Alors effectivement, vous avez les buildings, mais vous avez aussi les mosquées, le désert, le vieux Dubaï, la marina, et on rentre aussi dans ce qu'on appelle un mall, où il y a un aquarium extraordinaire. Donc Vanessa n'est pas là pour nous en parler, mais quand même, sachez qu'un mall, c'est, tu vois, les grandes surfaces qu'on a chez nous. Oui. Voilà, comme tout ça là, voilà, on va les citer, Leclerc, Géant. Eh bien, c'est x10, x15 fois plus grand. Voilà, là-bas, tout est... D'ailleurs, un mall, ça veut dire très... Un mall, c'est là, c'est très, très grand, très, très grand, voilà. Et donc, cette expo, elle est assez extraordinaire parce qu'on a des photos où on vous fait voyager. Et là, aujourd'hui, après New York, tu te souviens que c'était New York avec les gros buildings, eh bien, cette fois-ci, c'est Dubaï. Et on verra peut-être que Kaizen est en train de nous lâcher une information. C'est que peut-être il va nous préparer une expo éphémère sur le rugby. Ouh là là, ce serait intéressant. Allez, on passe. Oui, avec le micro, vas-y. Celle-là qui est illuminée en jaune, c'est laquelle? Alors, celle qui est illuminée en jaune, alors moi, c'est Burj Khalifa. Voilà, c'est l'un des plus grands buildings au monde. Oui, si tu la regardes d'en haut, ouais. ça fait une fleur en fait. Ah, toi, tu le sais ça. Tu as vu ça sur Internet? Oui. Ah, super, merci de nous le dire, effectivement. Donc, Burj Khalifa, quand on se met en haut, oh ben, on voit ça, on voit un dessin au sol, un petit peu comme les Incas, ils avaient l'habitude de faire. Merci pour cette précision, Monsieur Kaizen. On va passer au thème de l'émission. RDW, la web radio de Saint-Gem. ITEP Saint-Gem, RN 6113, 11150 Bram. RDW en partenariat avec info-rugby.com. Voilà, petit jingle d'introduction, bien sûr, pour vous parler du thème du jour, c'est Lucas. Lucas, qui est un jeune ici à Saint-Eugène et qui, tous les lundis, vient enregistrer une chanson, voilà, de son choix. Le travail avec Lucas, ça a été l'écriture, pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il allait dire pendant ses chansons. Et d'ailleurs, on va vous proposer directement d'écouter sa toute première chanson qu'il a enregistrée dans ce studio. Tu es prêt, Kaizen? Oui. Alors, elle s'appelle « Mashallah, mon histoire ». D'accord, Mashallah, mon histoire. Okay. Tu sais ce que ça veut dire, Mashallah? Mashallah, ça veut dire beau, quoi. Tu sais, Mashallah, c'est quelque chose qui est beau, mon histoire. Allez, on partit, on écoute Lucas. Ouais, je m'en sortirai, Inch'Allah. Mashallah, mon histoire. LPN 81. Ouais, je m'en sortirai, Inch'Allah. Mashallah, mon histoire, je suis un truc enfant de mon cœur, mais bon, je suis plus mon sentiment, mais bon, je serai toujours enfant de toi, wana, je le jure, voilà. Je m'en sortirai, Inch'Allah. Mashallah, mon histoire, je suis un truc enfant de mon cœur, mais bon, je serai plus mon sentiment, mais bon, je serai toujours enfant de toi, wana, je le jure, voilà. Je ne peux même plus être avec ma famille me recale. Heureusement que je suis célèbre, ce n'est même pas mes fans. Je suis tout seul d'être avec personne, mais c'est pas grave, ouais. Quand j'aurai plus grand, je me marierai, j'aurai des enfants. Et peut-être je vivrai une vie joyeuse, je serai joyeux plus tard.
Comme je disais, j'aurai plus grand, je me marierai. J'aurai des enfants, je vivrai joyeux. Et j'irai rapper sur le terrain de Paris. J'irai en concert. J'aurai plus celle que Nino, même si je suis fan de lui. Espérant que j'y arrive. Je m'en sortirai, Inch'Allah. Machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de mon cœur, mais bon, je serai toujours fan de toi. Wana, je le jure, voilà. Je veux même plus être avec ma famille me recale. Même si je suis tout seul, c'est pas grave. Je me sens tout seul, être avec personne, mais c'est pas grave. Heureusement, je suis célèbre, ce n'est même pas mes fans. Hey, je me sens sortir, Inch'Allah. Machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de moi, mais bon, je serai plus toujours fan de toi. Wana, je le jure, voilà. Hey, je le jure. Je me sens tout seul, être avec personne, mais c'est pas grave, heureusement. Je n'aurai même pas mes fans. Ouais. Je crois en Dieu et puis au Shaitan. Je veux que ma vie soit joyeuse et pas mal. Je veux que ma vie soit joyeuse, être célèbre. Je vais acheter la villa, je vais acheter toute la France. J'ai l'ambition, je suis déterminé. Je veux croire en Dieu puis au Shaitan. Je veux avoir un ange qui me protège. Je vais être moi-même un ange et protéger les gens. J'en sortirai, Inch'Allah. Machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de mon cœur, mais bon, je serai toujours au fond de toi, Wana, je le jure, voilà. Je peux même plus être avec ma famille me recale. Je me sens tout seul d'être avec personne, mais c'est pas grave. Heureusement, je suis célèbre, il n'y aurait même pas mes fans. Hey, ma sortie, Inch'Allah. Machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de mon cœur, mais bon, je serai toujours au fond de toi, voilà, je le jure, voilà. Hey, je peux même plus être avec ma famille me recale. Je me sens tout seul d'être avec personne, mais c'est pas grave. Je suis célèbre. Heureusement que je suis célèbre, il n'y aurait même pas mes fans. Ouais, il n'y aurait même pas mes fans. Ah, je crois, car j'espère que mon père ira au bled. Comme ça, on vivra une vie heureuse entre famille. Mon père tape ma mère. Mais bon, c'est pas grave. Je vais sortir une challah, machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de mon cœur, mais bon, je serai toujours au fond de toi, Wana, je le jure, voilà. Hey. Je peux même plus être avec ma famille me recale. Je me sens tout seul d'être avec personne, mais c'est pas grave. Heureusement que je suis célèbre, il n'y aurait même pas mes fans. Et je veux croire en Dieu et en tout le reste. Maman, ma famille, je crois en vous. Maman, ouais, je veux croire en Dieu et pas aux démons. Je veux vivre une vie joyeuse, acheter une villa, acheter une île carrément, acheter toute la France. Je veux que mon célébrité. Je veux que ma célébrité atteigne l'Amérique carrément. Je m'en fiche, je veux que j'y arrive. Je m'en sortirai, Inch'Allah. Machallah, mon histoire. J'ai un trou noir au fond de mon cœur, mais bon, je serai toujours au fond de toi, Wana, je le jure, voilà. Ouais, je le jure, voilà. Je peux même plus être avec ma famille me recale. Je me sens tout seul d'être avec personne, mais c'est pas grave. À raison, je suis célèbre, tu n'aurais même pas mes fans. Ouais, toute ma vie est joyeuse. Je veux croire en Dieu et pas aux démons. Je veux être un ange moi-même et protéger les autres. Un ange gardien. Je veux tout faire pour protéger ma famille et tout le reste. Ouais. J'adore. Allez, vous avez vu cette première chanson. Kayson, un petit commentaire sur cette chanson. Qu'est-ce que t'en penses ? Magnifique. Ouais. Je trouve aussi que Lucas s'en sort plutôt pas mal. Alors, on se disait tout en l'écoutant qu'il était dans le rythme, hein, ouais. Kayson. Mais toi, t'avais un petit reproche à faire. Ouais, c'est qu'il jure beaucoup. Voilà. Ouais. Je te le jure, voilà. C'est ouais. Un peu trop dans la musique. C'est un petit peu trop dans la musique. Mais en même temps, bon, c'est la composition de Monsieur Lucas. Voilà. Aussi, c'est pas un reproche, c'est juste qu'on lui dit les petites choses comme on le sent. Écoutez, qu'est-ce qu'on a fait lundi, Kayson ? Eh ben, on a reporté Lucas, on l'a enregistré ouais. Avec le téléphone à Luc, on a tout fait. Ouais. Et on va le faire passer, non, là, Luc ? Allez, on est parti, on l'écoute. Interview exceptionnelle de Monsieur Lucas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien sur RDW, la web radio de Sainte-Gemme. Et là, on reçoit quelqu'un d'un peu particulier aujourd'hui dans cette émission. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bonjour, mon nom de rappeur, c'est MJDV81. J'ai 13 ans et voilà. Ça fait combien de temps que tu es à Sainte-Gemme ? 7 ans. 7 ans que tu es à Sainte-Gemme, donc tu connais bien les lieux ici. Ouais. Allez, est-ce que tu peux nous parler de ton projet rap, s'il te plaît ? Ouais, ben plus tard, mon projet c'est devenir une célébrité et... Ouais. Et sinon, je vais juste rapper comme ça. Ouais. Parle-nous du projet qu'on fait depuis quelques semaines. C'est quoi qu'on fait ? Comment on fait ? Bon, en gros, je vais juste passer du rap à la web radio. Ouais. Et du coup, à l'échange, je dois me comporter bien. Ouais. Tu dois aussi écrire des textes, je crois. Ouais. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne ici à la web radio ? Comment tu as fait pour enregistrer ?
Bah avec un micro, des casques et voilà quoi. Micro, pas de casque. Hein. Ah ouais, on a utilisé l'enceinte, mais par contre on a eu du bon matériel avec la table de mixage. Ouais. Voilà. Et comment tu as fait pour avoir la musique? Je sais pas, avec le boom boom et l'instru quoi. Voilà, alors explique aux auditeurs ce que c'est qu'une instru, ils savent pas ce que c'est. Bah, c'est bah, une instrumentale, on va où tu vas la sur... musique quoi. Ouais, tu vas sur quel site? Je vais sur YouTube et je tape instru, c'est tout. Voilà, tu tapes instru, alors non, pas c'est tout, des fois selon le style que tu veux. Tu as fait tous les styles d'instru? Non. Ouais, c'est quoi tes préférés? C'est la drill. Oui. La basse. Oui. Et voilà, la prod j'aime pas trop. Et... D'accord. Voilà. Ok, donc il y a à chaque fois des instrus un peu lentes et des instrus un petit peu plus rythmés. Et à partir de là, tu fais les textes. Yes. Comment tu fais pour avoir l'inspiration? D'où te vient l'inspiration de tes textes? Comme je disais tout à l'heure, avec le boum boum, le bam bam, ça, ça m'inspire quand je dis n'importe quoi un peu. Ouais, tu dis vraiment n'importe quoi? Non, je dis pas n'importe quoi, mais voilà. Allez, explique un petit peu à nos auditeurs comment ça te vient et tout ça. Bah, je sais pas, moi, juste le boum boum, j'écris et puis je me dis ce qui me passe par la tête. Quels sont les thèmes que tu préfères? Dans tes paroles. Des fois, c'est des insultes, mais vu qu'on est à la radio, c'est interdit. Voilà. Je te félicite pour ça, d'ailleurs. Donc, du coup, j'ai dit aucun gros mot, et du coup, j'ai fait juste des instruments un peu d'amour et des bails comme ça. Exactement, c'est ça. Un petit peu la famille aussi, il me semble, que tu parles souvent de ta famille, des amis et de l'amour. Ouais. C'est un thème que tu aimes bien, ça? Non, mais je suis obligée de le faire. Pourquoi? Enfin, j'aime pas trop rapper comme ça. Genre, moi, de base, je rappe, genre, avec un peu de gros mots et du rap énervé. Mais des fois, ça m'arrive de rapper comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaites? Qu'est-ce que ça t'apporte de faire le rap? Je sais pas, pour l'instant rien, mais plus tard la richesse peut-être et. Ouais. Et. Je sais pas, plus de richesse, filles. Plus de filles. Plus de richesse intellectuelle aussi. Ouais. Parce que le rap, en fait, si tu regardes bien, ce sont les idées qui sont importantes et tu le fais avec le texte. Tu le fais avec le texte. Les idées, c'est quand même très important. Tu voulais parler, je crois, de ta chaîne YouTube. Alors, parle-nous un petit peu. Bon, c'est juste, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous voulez voir des démos de rap. Ouais. Et voilà, quoi. C'est juste, ma chaîne YouTube, c'est MojiDV81, mon nom de rappeur. Et voilà. Est-ce que tu... Plus doucement, comment tu s'appelles? MojiDV81. Tous les autres noms, ils sont pris, dans tous les cas. D'accord. Maudit comme il est maudit? Non, c'est juste parce qu'il n'y a aucun nom qui est... Et tous les noms sont pris. Ouais. Alors, comment ça s'écrit, maudit? M... Ouais. O-D-I? Non, M-A-U. Ah oui. D-I? I-T. Et donc, c'est comme il est maudit. Ouais, maudit et DV-81. DV-80. D'accord, impeccable. Donc, vous pouvez aller voir la chaîne... 1-81. 81, pardon, excusez-moi. Parce qu'en même temps, je l'écris parce que je ne savais pas comment on l'écrivait. Ok. Est-ce que tu peux nous faire... Parce que j'ai oublié de dire qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Ça va, Monsieur Kayson? Oui, ça va. Voilà, c'est notre reporter à la web radio qui est ici et qui voit un petit peu, qui expérimente comment est-ce qu'on fait une petite interview. Et on est avec notre rappeur. MojiDV81. Voilà. Et pour parler un petit peu des textes qu'il fait actuellement, est-ce que tu pourrais nous rappeler devant un petit spectateur, là, Kayson, est-ce que tu peux nous dire trois textes, trois phrases comme ça un petit peu? Est-ce que tu arriverais là? Ben ouais. Sachant qu'on va écouter tout à l'heure, avant ou après ton interview, on va écouter effectivement les musiques que tu as composées déjà. On t'écoute. Ben attends, vous savez faire du beatbox ou pas? Kayson, est-ce que tu sais faire du beatbox? Un peu. Allez, vas-y, on écoute, vas-y. Tu fais un rythme simple, vas-y. Hey, Hugo, la gadget, les kishtas sont pas bonnes au quartier, ça pète, ça fume, la cagoule n'est pas noire, elle est rouge. Voilà trois phrases. Yeah, bravo, félicitations. Vraiment bravo à tous les deux, c'était une petite démonstration de MojiDV81 qui fait donc un projet ici à Sainte-Gemme, un projet rap, écriture obligatoire des textes sans gros mots s'il vous plaît, et il y arrive, je vous le promets. Et après, avec, il met de l'instru sur la table de mixage, et effectivement, le rendu est plutôt intéressant, on te le fera écouter vendredi, vas-y. Ouais, mais sinon, de base, je rappe au studio déjà. Ouais, du coup, parlons-nous de ça. Ah ben je vais au studio Albi pour rapper, mais avec des gros mots. Là, j'ai pas écrit des gros mots spécialement aujourd'hui, c'est juste pour avoir plus d'abonnés. D'accord, mais c'est super, franchement c'est super. Et Albi, alors raconte-nous un peu comment il est ce studio. C'est un studio normal, un PC, un casque, il y a une caméra pour le producteur. D'accord. Il met l'instru, puis moi j'y vais, je vais dans la cabine. Et tu fais ça dans quel cadre? C'est comment c'est le centre qui t'amène là-bas? C'est un éducateur que j'adore, d'accord, qui s'appelle Lobépine. Ouais. Moi, je l'appelle manager, mais il s'appelle Mamadou. Ouais. Il a un ami, il s'appelle Saliou, et du coup, j'ai le studio gratuit. D'accord.
Attention, vous êtes prêts? C'est un vrai studio, c'est pas comme toi. Voilà, c'est un vrai studio, alors que nous, on est dans un projet plutôt psychologique, éducatif et thérapeutique, voilà, où effectivement notre rappeur national peut s'exercer. D'ailleurs, vite fait, voyons si tu es réactif, M. Kaizen, une petite démo encore de beatbox, voyons. Vas-y. Hey, du coup, la gadjie, les kishtas sont pas bonnes au quartier, ça pète, ça fume, la cagoule est pas noire, elle est rouge, la coca, la dégraisse, voilà, j'encaisse dans la messe. Yeah, bravo, félicitations à tous les deux. Ben voilà, écoutez, c'était notre petite interview, Lucas, puisque tu vas passer donc vendredi, en direct, puisque même si on est enregistré, nous on sera en direct, Monsieur Kaizen, hein. Donc on va proposer à nos auditeurs d'écouter Lucas. Dis-moi. Du coup, c'est trop cool pour le piano, là. Le pianiste déjà. Bon, t'invites quelqu'un de célèbre, c'est tout ce qui compte. Ah oui, alors voilà, ça c'est un projet. Il m'a un peu devancé, Lucas, c'est un coquin, tu sais. Hein. Alors, on peut déjà un petit peu l'annoncer à la radio, effectivement, sans annoncer trop la date, parce qu'elle peut encore changer. Mais nous avons le projet de faire venir ici un artiste qui s'appelle Laurent Garnier, qui est pianiste de Boulevard Désert, un groupe qui a joué notamment Bruxelles, qui a fait des tournées international, puisqu'ils sont allés à Nouméa, ils sont allés dans les pays étrangers et tout ça. Voilà, et c'est un grand, grand, grand joueur de piano. Et il nous fait l'honneur, puisque j'ai la chance un petit peu de le connaître, de passer par Sainte-Gemme. Et je vais amener un piano, je vais demander à pas mal de gens de venir. Et Lucas, le projet, mais attention, rappé c'est toujours... Direct. Comment ? Rappé en direct. Voilà, c'est exactement ça le projet, c'est que Lucas aura la possibilité, s'il le souhaite... Et en tout honneur, hein, bien sûr, c'est de nous faire un petit rap en direct avec une instru, cette fois-ci. Peut-être un des textes même que tu as écrit, Lucas. Ouais, un texte que j'ai écrit, sûrement. J'ai une boîte tout remplie, alors. Allez, ça marche, parce que tu peux aussi composer pour l'événement. Ce sera à toi de voir, voilà. On en reparlera. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, messieurs, et du bon travail surtout. Et on se retrouve pour une prochaine interview. Ciao. Ciao. Au revoir. Allez, qu'est-ce qu'on fait, Kaizen, maintenant, après cette belle interview ? On écoute la deuxième musique de Lucas. Le titre ? Le titre, c'est « Je finirai avec toi ». Allez, on écoute ça. Hey, j'ai envie de croire en Dieu, plus ou Shaitan. Ouais, ouf. J'ai envie de croire en Dieu, plus ou Shaitan. Ah, je dois avancer, pas reculer. Je suis une star obligée d'avancer. Je dois croire en mes rêves sans regret. Mes sentiments de côté ont fait perdre ma fierté. Ouais, croire à mes rêves sans regret. J'ai envie de croire à mes rêves. J'ai envie de croire en Dieu plus au Shaitan. Croire à mes rêves, croire en toi. Je dois avancer pas reculer. Je suis une rockstar obligé d'avancer. Croire à mes rêves sans regret. Mes sentiments de côté ont fait perdre ma fierté. J'ai des sentiments pour toi. J'avancerai mes pas sans toi. Je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. J'avancerai mes pas sans toi. Je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. Hey, on livrera bataille. On se battra même contre les sorts de l'âme. Je te ferai du sale toute la naille. On se battra contre les sorts de l'âme. On livrera bataille. On se fera du sale toute la naille. J'ai des sentiments pour toi. Genre, moi, serai mes pas sans toi. Je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. Genre, moi, serai mes pas sans toi. J'ai des sentiments pour toi. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. On paiera la banque. Être heureux, c'est tout ce qui compte. Baby, je fais au studio pour avoir le succès. Un machallah, un jour, je ferai partie de la légende. Un machallah, un jour, je ferai partie de la légende. Ouais. J'ai des sentiments pour toi. Genre, va se remettre pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. J'avance, j'ai des sentiments pour toi. Genre, va se remettre pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. On se battra contre les sorts de l'âme, être c'est tout ce qui compte. On livrera bataille, je ferai du ça toute la naille. On livrera bataille, on se battra contre les sorts de l'âme, être heureux, c'est tout ce qui compte. J'ai des sentiments pour toi. Genre, on serait mes pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. Genre, on serait mes pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. Moi, je suis un tigre et toi, t'es mon sang, ma famille. T'es mon sang, ma veine, ma famille. Moi, je suis le tigre de la vie. Et toi, tu es le sang, la veine, la famille. Machallah, je finirai avec toi. Ouais. J'ai des sentiments pour toi. Genre, on serait mes pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi, j'ai des sentiments pour toi. Genre, on serait mes pas sans toi, je ferai les 100 pas. Baby, I love you, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. Genre,
Je n'en serais même pas sans toi, je ferais les 100 pas. Oui, bien le vieux, je suis amoureux de toi. J'ai des sentiments pour toi. J'ai des sentiments pour toi, j'avancerai mes pas sans toi. Et bien voilà, c'était la deuxième chanson de Monsieur Lucas. J'espère que vous avez bien apprécié en tout cas les textes et la chanson. Qu'est-ce qu'on fait maintenant après cette superbe interview de Lucas, monsieur ? On passe aux actus. Allez, c'est parti, on passe aux actus. Information internationale. Pour le pape François, les lois qui pénalisent l'homosexualité sont injustes. Dans une interview accordée à l'agence Associated Press et diffusée mercredi 25 janvier, il a déclaré qu'être homosexuel n'est pas un crime, mais cette orientation sexuelle demeure un péché à ses yeux, au même titre que manquer de charité les uns envers les autres. Information nationale. De rarissimes illustrations des fables de La Fontaine vendues 2,7 millions de dollars. Un exemplaire rare d'illustration des fables de La Fontaine par le peintre et dessinateur français du XVIIIe siècle Jean-Baptiste Oudry a été vendu ce mercredi 25 janvier 2023 à New York lors d'enchères chez Christie's pour 2,7 millions de dollars. Peintre de la cour de France sous Louis XV, Jean-Baptiste Oudry les avait réalisés au début des années 1730 au pinceau et à l'encre noire. Information locale. Carcassonne, rejet de la réforme des retraites proposée par le gouvernement. Mobilisation massive le 19 janvier à Carcassonne pour le premier jour de grève et la première manifestation organisée par l'intersyndicale contre le projet de réforme des retraites. Entre 7000 et 8000 personnes ont participé aux deux cortèges organisés dans l'après-midi. Mot du jour. Réforme. Changement qu'on apporte dans les mœurs, les lois, les institutions, afin d'en obtenir des meilleurs résultats. Merci, nous remercions chaleureusement le groupe des actus de l'UE, la classe de Sainte-Gemme qui est au collège de Grazaille à Carcassonne, où Kayson, on devrait aller peut-être probablement vers le mois d'avril faire une émission en direct au collège. On va essayer de faire ça, d'accord. Merci à Madame donc Ribeiro et à Audrey Dumas, ainsi qu'à tous les jeunes qui par leur travail font vivre la web radio. De quoi est-ce qu'on parle maintenant, Kayson? On fait marcher ses biscotteux, ou NLCC, Luc. Alors attends, on passe d'abord au sport. Où allez l'USEC, Luc? Allez, un petit point sur l'USEC. Merci, monsieur Kayson, de me donner cette occasion-là. Ce soir, au stade Albert Domecq, à Carcassonne, un match déterminant des jaunes et noirs, des Canaries, face à Rouen, en Normandie, qui viennent les défier. C'est des concurrents directs, hein, donc c'est pour ça que c'est un match déterminant, en tout cas. Et on souhaite, bien sûr, aux Canaries de sortir victorieux. Allez, voilà pour ce petit rapide point sport. On va passer, parce qu'on adore faire la pluie et le beau temps, on passe à quoi? Passe aux actus. Et non, on passe à la météo. Je sais pas ce que j'ai avec les actus, mais... Quel temps fait-il? Alors, quel temps fait-il? C'est facile, il caille toujours et ça va cailler tout le week-end. Vendredi, nuageux avec quelques flocons qui peuvent apparaître dans l'après-midi en tout cas, et les températures de 2 à 3 degrés. Ciel nuageux et avec éclaircies pour samedi et dimanche. Tout ça dans des températures plutôt froides, en dessous des saisons, des normales saisonnières. Mais la bonne nouvelle, Kayson, c'est que bientôt, à partir de lundi, les températures devraient remonter. Écoutez, tristesse, c'est la fin de l'émission. Ah, mais non! Kayson, qu'est-ce que tu as à nous dire? Tu as un truc pour nous, je crois. On a une surprise pour vous. C'est pas vrai, c'est quoi comme surprise? C'est la troisième chanson de Lucas. Ah, on va s'écouter ça alors. Tu sais comment elle s'appelle? Je sais plus. Tout ce qui compte ou qui comptait. D'accord? Okay. Allez, on écoute Lucas et le rap, la dernière chanson en exclusivité ici sur RDW de notre rappeur national, Lucas, pour tout ce qui compte ou qui comptait. Ok.
tout ce qui est compté, qui est compté. Tout ce qui est compté, qui compte, ne compte plus, c'est du passé. Mes sentiments s'est enlacé, mon cœur pour toi s'est embrassé. Pourtant tu disais que tu m'aimais, mais demain après tu m'as quitté. On dirait que tu savais déjà que t'allais me tromper. Hey, on fait des étoiles, on sourit, on fait des grimaces, on rougit. J't'ai promis un royaume, j't'ai promis la terre. J't'ai promis de la reine et moi ton roi. Mais dans ta tête, j'm'en fous royalement. J't'ai promis un royaume, j't'ai promis la terre. Et maintenant que je suis millionnaire, j'ai envie que tu regrettes, j'ai envie que tu reviennes, j'ai envie que t'aies mal, j'ai envie que tu pleures, j'ai envie que t'aies peur. Deux ans après, on se retrouve, tu ressortiras avec moi, tu dis, on sera comme notre histoire, tu dis que tu es désolé, que tout ça c'est du passé. Et moi je te dis que je veux pas ressortir avec toi, alors pour te raisonner, je te dis que je suis désolé, que tout ça c'est du passé, que dans tous mes cas, j'essaierai de raisonner, hey, ouais, j'essaierai de te raisonner. Tout ce qui est compté, ne compte plus, c'est du passé, mes sentiments c'est enlacé. Mon cœur pour toi s'est embrassé. Rappelle-toi, tu disais que tu m'aimais, mais demain après tu m'as quitté. On dirait que tu savais déjà t'allais me tromper. Et on fait des grimaces, on sourit. On fait des grimaces, on rougit. J't'ai promis un royaume, j't'ai promis la terre. Et maintenant que je suis millionnaire, j'ai envie que tu reviennes, j'ai envie que tu regrettes, j'ai envie que j'ai mal, j'ai envie que tu pleures, j'ai envie que t'aies peur. Deux ans après on se retrouve, ça raconte notre histoire. Tu dis que tu es désolé, que tout ça c'est du passé, que dans le passé il s'est passé des trucs, je suis désolé. Moi je veux pas ressortir avec toi pour te raisonner, j'ai que je suis désolé, que tout ça c'est du passé. Et même si je veux pas ressortir avec toi, j'essaierai de te raisonner. Tout ce qui est compté, qui compte, ne compte plus, c'est du passé. Mes sentiments s'est enlacé, mon cœur pour toi c'est embrassé. Rappelle-toi, soir tu savais que tu m'aimais, mais demain après tu m'as quitté. On dirait que tu savais déjà t'allais me tromper. Et on fait des grimaces, on sourit. On fait des grimaces, on rougit. Ouais. Tout ce qui est compté, qui compte, ne compte plus, c'est du passé. Mes sentiments s'est enlacé, mon cœur pour toi s'est embrassé. Rappelle-toi, toi tu disais que tu m'aimais, mais demain après tu m'as quitté. On dirait que tu savais déjà que t'allais me tromper. On fait des étoiles, on sourit. On fait des étoiles, on rougit. Ouais. Moi je suis célèbre maintenant, je suis une célébrité. J'irai tout le monde dans le quartier RK à l'OA. Un jour je serai aussi célèbre que RK Malola. J'espère être célèbre, être exactement comme Nino. Mais toi tu croyais pas à moi. Merci beaucoup, la famille. Ciao. Alors monsieur Kaizon, c'était pas bien ça? Si, c'était. Ah, une belle petite bien, surprise en tout cas, ça valait le coup. Oui. Merci en tout cas à monsieur Lucas d'avoir fait tous ces textes, d'avoir bien travaillé tout ça, mais le travail n'est pas fini pour lui, c'est vrai. On va essayer encore de s'améliorer, de travailler encore d'autres textes. Et je voulais signifier que le travail que l'on faisait avec monsieur Lucas était consigné dans un cahier, c'est son cahier de chansons, où on a répertorié l'intégralité en tout cas de ses musiques. Ainsi s'achève ce 12e numéro de la saison, numéro combien ? 6. Merci monsieur Kaizon, on espère que vous avez pris autant de plaisir. Est-ce que toi tu as pris du plaisir Kaizon ? Ah oui, franchement. Ah, on s'est régalé, c'était une très belle émission qu'on a fait et qu'on a même réalisée. Faites découvrir notre web radio, parlez-en à vos amis, à votre entourage. Mais Kaizon, comment on fait pour écouter ou réécouter l'émission en différé ? On va sur YouTube, on tape ITEP Saint-Eugène. Oui. Et toutes nos émissions sont à vous. Et oui, exactement. Toutes les émissions sont en boucle sur YouTube. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner. Je te laisse le dire, alors vas-y. N'hésitez pas à vous abonner. Oui, abonnez-vous à notre chaîne. Merci en tout cas de votre fidélité et d'écouter nos émissions. RDW, c'est la radio du web, la web radio de Sainte-Gemme. Il est temps de remercier notre reporter national. Merci Kaizon. Très bonne émission, tu fais des progrès de chaque vendredi. Je t'en félicite en tout cas. Merci à notre partenaire, le Covaldem, à Patrice, notre collègue, qui nous donne des petits goodies pour les jeunes quand il en a, bien sûr. Et le mot de la fin revient à qui, en principe ? Tu le sais ça ? Ben, à moi. Ah et non, à notre invité. Et qui c'est notre... Et oui, on a une dernière petite surprise, c'est les au revoir de Lucas. On l'écoute. Lucas, comme à chaque fois, on laisse le mot de la fin à notre invité. Merci la web radio, je suis content d'être passé à la web radio du coup. Et bonne fin de journée. Et on espère te voir pour l'artiste qui va venir et tout ça, pour faire notre rap. Bien sûr que je viendrai, normal. Ciao, ciao. Ciao.
Encore merci d'avoir écouté notre émission. Et maintenant, silence radio.